Donc aujourd'hui, la paire de Saint-Louis s'est réunie pour se prononcer par rapport à la situation politique de ce pays qui ne nous surprenne pas. Parce que nous sommes habitués. Chaque fois que le président de la République récolte des succès diplomatiques ou économiques, que le PDS fait des sorties pour distraire la population. Après la pose de la première pierre de l'autoroute, il a tout va. La pose de la première pierre des deux universités, le succès diplomatique de recevoir Madame la directrice générale de la FMI, et j'en passe sur d'autres tels que le président qui vient d'être encore nommé coordonnateur du NEPAD, nous nous attendions à ce que le PDS fasse encore une sortie pour distraire les populations. Mais aujourd'hui, je pense que le PDS s'est trompé de format. Ce n'est pas en amenant un vieillard, un ancien chef d'État, qui joue à faire peur, qui appelle aux martyrs, qui appelle à la résurrection, qu'ils pensent qu'ils vont distraire les populations. Nous leur rappelons que le président Macky Sall a été élu avec un taux de 65%. Et ceux qui l'ont élu sont présents, sont ici dans ce pays et feront face. Nous n'allons pas leur répondre par la violence, mais qu'ils sachent que nous sommes prêts et que nous sommes là, debout, pour défendre le président de la République et sa victoire qu'il a acquise d'une lutte totalement démocratique. Nous ne comprenons pas du tout le président de la République, un ancien chef d'État, qui à son âge continue toujours à faire des déclarations des 5% ñoo choisir Macky Sall, président Macky Sall. Président Macky Sall nak ku ko gis xamni bolewul dara ak wax. Président Abdoulaye Wade, ancien chef d'État la, mais c'est un homme hors loi. C'est un homme hors loi parce que li muy def tay ji bu doon kenen mo koy def, benen citoyen mo koy def. Kon yakar na ni kasso ba lay fanani. Mais nak ci reul gi ko président Macky Sall jox, lool mo waral tay mu tok di def lu ko neex. Waye agem président Abdoulaye Wade yakar na ni bu ay xali yu ndaw joggé yor seeni doole wara mëna dem ñom wacc ci tali bi ñu tek leen ci yoon ñoñu mënuñu ko ragal dem wo Abdoulaye Wade mu ñew diko def lool du ceeram dañ koy wax encore une fois ni ko respect bi ko président Macky Sall jox mom la ko xalé APR jox mom la ko réew mi jox kon réew mi waccio nak mom mom nak mo wara waccio réew mi nan la wara mëna waccio réew mi moy jël client wam di julli di ñaanal réew mi di ñaanal président Macky Sall mu réussir liñ koy bëgg wax nak trop de démocratie tue la démocratie. La marche, c'est vrai que c'est un droit, mais nak du anarchie. Du lu way neex rek nga bëgg ci abuser wu nan dañuy marche tous les jours. Koku kenn du ko fi nangu. Dañ leen di tek ci yoon parce que nak Karim Wade gënul doomu badole yi nek ci prison bi. Imaginez ngeen tay ñi nek ci prison bi yeb bu fekkone ni seen wajur yi dañoo genn ni dañuy marche fuñu jëm. Kon président ancien chef de l'état Abdoulaye Wade liñ koy wax moy na dem tok ñaanal Karim Wade ndax doomam la. Ku sa doom nek ci ay jafé jafé nak nga taxawu ko waye bokay taxawu da ngay nek da ngay respect da ngay am da ngay respecter règle yi fi nek respecter loi yi fi nek lool dal mo tax tay ju ñu wax ni nak ñun du len bayyi ben yoon ñom ñuy attaquer bo ba tay ñepp population bi yeb gis nañ ni PDS ñoy gëna di attaquer réew mi di attaquer président Macky Sall ken waxu len dara bu fekké ni ci respect bobu nak lañu bëgg abuser wu dañ len wax ni le ñun ñong fi te mën nañ ko defante ak ñom lool dal mo wara réñoo tay